Elle c'est Nana Ketchup Bafana Ipupa. Lui c'est Fally Ipupa. Mariés, ils ont 5 enfants. Marco 6, dont nous allons parler aujourd'hui. Écoutons Mama Bafana Zoembelanzambe. Nana Ketchup, la femme de prière. Maman Mokondi, appelée par Fally Ipupa. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'inscription de Marco 6 dans la plus grande université de France, Sorbonne. C'est parti. Marco 6 Ipupa est le fils aîné de Fally Ipupa avec sa femme légitime, Nana Ketchup. Marco 6 a obtenu son baccalauréat cette année où Fally Ipupa a voulu faire surprise à son fils aîné. Aujourd'hui, nous allons regarder la fête du baccalauréat de Marco 6. C'est parti. Voilà le jour où Marco 6 a obtenu son baccalauréat en France. Le baccalauréat est équivalent de notre diplôme d'État. Regardons comment est-ce qu'on félicite Marco 6. Par Fally d'abord. Les amis. Voilà Mama et Marco 6. La femme de prière. Faire gagner la merveille aussi. Félicitations Marco. C'était tout le monde. Regardez le point de Marco 6. Il a fini parmi les top 1. C'est écrit premier groupe. La fête est entamée avec du champagne. Fally était très content de voir le baccalauréat de son fils aîné avec sa femme légitime, Nana Ketchup. Tous les jours. Wow, félicitations Yaya. Félicitations Marco. Après la fête, Fally Ipupa a promis à Marco 6 quelque chose de grave. Le temps des cadeaux. Une voiture obtenue comme cadeau de fin d'études. Un bon père est toujours là pour ses enfants. Faire des cadeaux. Récompenser les efforts faits par les enfants. C'est ça le devoir d'un père envers son fils ou bien sa fille. Général. Marco 6 Ipupa, le fils aîné de Fally Ipupa et Nana Ketchup, est inscrit dans le plus grand université de France, Paris 1, soit Sorbonne. Comme ici en Europe, on dit l'université des prestiges, le plus grand, le plus cher. Un père est toujours là pour suivre l'évolution, la réussite de ses enfants. Fally Ipupa est aussi là pour contrôler les études
de Marcosin, Keina, Jaden, Vinci, Malka, Monikel et les autres. Un bon père, c'est celui qui met ses enfants dans la voie chemin, comme Fally Ipupa le fait toujours. La réussite de Marcosis aujourd'hui interpelle plusieurs parents de toujours, toujours rester là devant vos enfants pour montrer la voie chemin. Malgré le succès, malgré tout ce que Marcosis fait, Fally Ipupa contrôle sa réussite. Et aujourd'hui, il va commencer son université des prestiges, le plus cher, le plus grand à Paris. Voilà la famille Ipupa. Voilà Nana Ketchup. Voilà famille Ipupa. Une bonne mère, c'est celle. Elle est toujours là aussi pour contrôler ses enfants. Parler, éduquer et conseiller. Comme Fally l'a toujours dit, Marcosine, mon fils, que le succès ne te prend pas la tête. Il faut regarder l'avenir. Il faut travailler. Car la réussite vient qu'avec le travail. Aujourd'hui, Fally Ipupa a tracé le chemin de son fils, Marcosine. Eux demain, les conseils promulgués par son père sera aussi promulgués par les enfants de Marcosine. Malgré l'argent, malgré tout, Marcosine aujourd'hui, il est diplômé et il est inscrit à l'université. Les gens vont se poser des questions. Où est la voiture? Le cadeau que Fally Ipupa a donné à son fils, Marcosin. La voiture est là. Nous avons tous très bien écouté dans la vidéo que Fally Ipupa a dit. Marcosin, mon fils, il reste que de puisse passer son terme de conduite. Alors, le jour que Marcosis va passer son permis, vous allez lui voir conduire sa voiture dont il a eu le cadeau de son père biologique, Fally Ipupa di Cap la Merveille. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, nous vous laissons voir comment est-ce que la femme légitime de Fally Ipupa, Nana Ketchup, est en train de conseiller son fils, marcher avec son fils et parler avec son fils aîné, Marcosin, celui qui est le nouveau universitaire dans le prestige université Paris 1, Sorbonne. C'est parti. Mon amour, réponds-moi, cache ma vie, mon bébé. Allô, réponds-moi, chérie Nana. T'en supplie, mon bébé, mais tout pas le dos. Aimez-moi, je dis au revoir.